sur AGM 40, c'est une petite plateforme. Il y a un petit pub droitier qui tient le prix là. On vient de faire quelques petits travaux et il y a ce bateau-là, Darius, qui vient nous enlever les armes. Alors on a 4 ans. Là, tu ramènes l'encre sans... Non, non, il n'y a plus rien là, au bout, là. Les encres sont réduites, oui. Garde tout sur le pont. Je comprends pas. Lui, il a tout démaillé, lui. Ah, il vient d'enlever les encres? Ouais. Il enlève l'encre, il enchaîne et il garde tout avec lui. Et donc... il démaille et puis... Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est le cap que tu ramènes, ouais, c'est tout? Juste le cap. Ok. Ah ouais, ok. Il laissait l'encre, mais... on mettait l'encre au cul là. L'encre il l'a remonté sur son pont. Ah ouais. Ah, avant d'accord. Nous on l'a gardé avec nous. Et maintenant depuis qu'on met de la chaîne, on peut plus. Ça bloque là. Ah ouais. On peut plus les mettre en place. D'accord. Et pourquoi tu mets de l'eau là sur le. Ouais, c'est la. Avec la bande, on rince le cap. Ah ouais, c'est comme les chaînes d'encre quand tu les rinces. Ouais. Donc là il vient de remonter combien d'encre? Deux déjà? Non, une. Une? Ah c'est la deuxième. Ouais. Alors là c'est le câble. Là il a laissé le... Ah bon. Terminé. Serre le frein. Serre le frein du poil. Oui.
filmé. Souris, tu es filmé. Souris, tu es filmé. Alors, votre bateau est en train de s'en aller. Remplacer celui-là qui vient prendre le matériel. Après, on amènera ce matériel là-bas sur la barre de forage qui est ici. Le matériel, on le remettra sur le plateau qui va arriver là-bas. Ça, c'est les encres qui sont pleines d'argile qui ont été relevées au fond tout à l'heure. Fin. On a fin sur le chantier là. Ah, fin du chantier, ouais. Ouais. Fin, alors, je fais fin du fil. Clac. C'est le gibier, ça encore. Hein. C'est des antilopes ? Ouais, antilopes. Le sanglier. Le sanglier, ouais. Voilà, le but principal du chantier, ça a été d'augmenter la puissance.
ici, on remplace le plancher qui était un peu pourri. Alors sur cette plateforme là encore, on a amené ce groupe électrogène. On a mis dessous là, au plancher intérieur. Ensuite, ce transfo, on a aussi déposé sur cette passerelle pour pouvoir nous mettre en valeur à l'intérieur aussi. Là. C'est moi qui l'ai attrapé il y a 8 jours. Non, je dis, je parle pour la caméra. Alors là, il y a un bateau qui vient d'arriver là, pour faire un travail sur la plateforme. Ici on voit les plateformes. On voit ce qui se passe, le bateau qui est en train de travailler là. Voilà, ici c'est monsieur Fuentes, Daniel Fuentes,
sécurité. On va aller voir les consoles. On sait tout ce qui se passe. Alors là, l'intensité normalement, on est depuis à 40 et quelques degrés. Donc là, on est à moins 18. Déjà depuis deux jours, on était à 25. Le niveau dans les séparateurs. Je vais demander de... On peut arrêter, mettre en marche, etc. Oui, maintenant, oui. Bon, mais on ne devrait pas avoir 25. On n'a jamais eu 25. Le quoi? 40. Tu peux l'arrêter sur la... Le secteur, monsieur Paul Ringa, un chantier des trois chambres, l'extension des hébergements, alors, trois chambres, trois nouvelles chambres. Donc ici on a créé un couloir. Et voilà, ici investir, on en a fait donc on a fait des chambres. Seulement sur la planche là, non? Hein? Ah voilà, c'est des armoires. C'est la première armoire qui arrive. Alors ici, on a fait une extension de passerelle. Tout à l'heure, pendant l'heure de minuit, on a sablé. On a fait du sablage. On a du sable un peu partout. Alors voilà le bateau qui est venu travailler ici. C'est un dynamique installeur, un bateau anglais. Alors, il reste immobile dans l'eau. Il ne se déplace pas, enfin, même s'il y a du courant, il reste immobile. Il y a trois systèmes qui permettent de le... contrôler son emplacement et il a des il a ce qu'on appelle des propulseurs qui sont orientables. Donc ça veut dire ces petites hélices, ça veut dire qu'il y a des propulseurs. On les voit aussi à l'arrière. C'est le bateau qui est venu travailler là, Dynamic Installer, un bateau anglais. Alors, sur ces bateaux, il y a beaucoup de gens. On travaille le jour et la nuit. Il y a des gens qui se reposent, par exemple, là, un type qui se repose sur les decks. Alors, il y en a qui détroquent, qui font la peinture. Le travail en question, là, il s'agit de raccorder des tuyaux. Alors voilà les tubes qui servent à raccorder, c'est raccorder un tuyau qui est posé au fond de l'eau à 35 mètres, et raccorder ce tuyau à la plateforme. Donc il va falloir que les grues descendent ces tuyaux là, et que des gens plongent pour aller les pousser au fond de la mer et les pousser depuis l'autre pour les pousser à la plateforme. Alors il y a des systèmes, il y a des plongeurs, on voit les équipements, les bouteilles, tout ça qui sont là, les stocks de bouteilles. Bon, ici, il y a des paniers, les plongeurs vont se mettre dessus et ils sont descendus par les petites grues, les petites chèvres là, qui sont là. Descendre dans ces paniers là. Ici c'est un appareil qui sert à mettre souvent dans la eau. Alors, c'est un bateau
ascenseur orientable. Voilà les petits dessins là en bas, ça veut dire qu'il n'y a pas plus sur des trams. Et là-bas, on voit d'autres propulseurs à l'arrière. Alors le bateau peut rester immobile. Il a des systèmes, il n'a pas besoin de mettre dedans. Et il a plusieurs systèmes qui le bloquent. Automatique, des systèmes automatiques. Alors, par exemple, voilà, il y a trois systèmes, il y en a un qui est ici. C'est un fil qui descend dans l'eau. Voilà le fil là. Et ce fil, ce câble, au bout duquel il y a un mâtre attaché, ce câble indique si le bateau se déplace. Si le bateau se déplace, c'est tout de suite une correction qui se fait. Une tête de détection en haut. Il y a un deuxième câble qui fait ce travail-là à l'avant du bateau. Et puis il y a un système satellite qui est installé sur la plateforme. Là. Et le bateau à lui-même comprend un système satellite aussi. Ce qui fait qu'il y a un recoupement de tout genre d'informations. Le bateau reste en place. On agit sur les propulseurs. Avec le même bateau, on est venu faire ce qu'on appelle des pré-opérations de forage, c'est-à-dire qu'il y a un appareil de forage qui va venir, et on est venu préparer son arrivée. Alors, l'appareil va intervenir sur ce puits là. Alors autour du puits, on a mis des tôles de blindage de 15 mm, 15 à 20 mm d'épaisseur pour protéger les tuyaux qui sont autour. Au cas où il y a des outils de forage qui tombent sur les tuyaux. Puisque le forage se fait en même temps que la plateforme produit à côté. Les autres puits produisent. Alors on a vérifié tous les réseaux incendies, on a changé les vannes, on a changé les pulvérisateurs qui sont en haut. On est venu caler une pompe là. Une pompe qui avait été installée mais pas calée. Alors, voilà. On a ajouté de cale. Voilà. Et là-haut, il y a des panneaux solaires. On a ajouté des panneaux solaires. On a ajouté des supports. Les supports sont en bout, hein. On les a installés. Alors, ce sont des pompes qui marchent avec le gaz même du puits. C'est le puits qui émet du gaz. Alors dans ces tiroirs, le gaz là, fait marcher
le piston, et dans ce côté-là, le piston pompe l'huile dans les collecteurs d'arrivée de sortie. Alors on a protégé également tous les appareils d'instrumentation qui sont fragiles. Les armoires, ça, parce que les opérations de forage mettent de la boue un peu. Alors là, c'est une barre de 8 ans pour marquer le point d'entrée.
ne sais pas. Là, on tournait autour sans les trouver. Tout à l'heure, on a fait avec un rayon de combien là, vous avez mis combien? 30 mètres tout à l'heure? 30 mètres, là, ce cercle-là, 30 mètres. Ouais, on donc, est passé là, on ne les a pas trouvés. Donc, on a changé de position, on a pris un deuxième centre, et là, on les a retrouvés à 12 mètres. À 12 mètres, donc là, on va commencer les opérations de relevage. Ils sont en train de l'accrocher en bas? Non, parce que le gars, il a fait une prolongée un peu plus longue, il a trouvé juste en fin de truc, heureusement. Ah, ils reportent tout à l'heure ou quoi? Ouais, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de, comment te dire, ils ont pas eu, le gars, il a trouvé en fin de plongée. Donc il était à la limite. Ah, il fallait qu'il remonte pour son, pour la sécurité. Il a juste accroché le truc de survie. Ouais, d'accord. Là, il y en a l'autre qui va plonger et qui va accrocher. Donc là, ils sont en train de remonter, il y a quelqu'un d'autre qui va plonger pour prendre la relève. Ah ouais. Parce qu'il a fait une plongée de 50 minutes, il va qu'il a 2 minutes de palier. Ouais, d'accord. Mais il fallait pallier sous l'eau ou dans le caisson? Et après, il s'occupe de chercher les débris, parce que sinon on n'a plus de repère. Donc autant garder ça comme repère. Il va fouiller pour trouver la deuxième zone de débris. Et s'il trouve, on commence d'abord par les petits débris. Et comme ça, on aura la possibilité d'avoir un repérage permanent, parce que sinon, comme la faute est dégueulasse. Mais s'il trouve le deuxième petit morceau de tube à 1m50, là, c'est que ça. Tu viens de faire la décompression là? Tu viens de faire les paliers de décompression? Ah bon? T'as deux plongées par bonhomme, on est quatre. La dernière tu peux pas la faire parce que la huitième tu peux pas la faire parce qu'il n'y a plus de plongeur secours. Parce qu'on peut pas plonger trois fois, c'est interdit formellement, il n'y a aucune table qui prévoit. Il plonge en narguilé, c'est-à-dire avec ce tuyau là. Et hop. Et là on entend finalement c'est un tuyau qui donne le son là, c'est pas un fil, c'est pas un micro. Ah, c'est un micro. Ok, du mot dans le narguilé. Un système de microphone. Ouais, il y a deux écouteurs et un micro. Ok. Un système d'interphone quoi. T'as trouvé le deuxième? Mais non, je ne suis pas encore là-bas. Ah d'accord. Bon là, je vais partir, là, tu es en train de me donner du monde à la ligne guide. Ça y est, ils ont tout donné, tu pourras partir avec. Ok. Bon, il faut espérer que c'est ça, parce que sinon, on va recommencer à... Ah, c'est déjà un peu mieux. Combien a-t-il? 50 cm. 50 cm? Non, mais ça, c'est aussi l'étude de la personne. Déjà, c'est bien que tu as dit 50, c'est le deuxième 50, tu suis mieux à 10-0. Non, mais t'as les périodes avec les volutes de base, de poussière qui se déplacent, et quand tu es dedans, ben, ça peut durer une tournée. Hein. Ça fait des grosses volutes, alors ça fait des masses noires qui sont au-dessus de toi, et puis ça se dégage, t'as un courant d'eau un peu plus clair qui arrive, qui pousse ça, ça rentre. Et il y a des fois, t'as cette volute qui est au-dessus, puis dessous, t'as de l'eau claire qui arrive en circulation. Il est vertical? Oui, il est vertical, mais il fait au moins 50 cm. Il y a un câble à côté. Bon, il doit y en avoir, donc tu amarres ton truc, ta ligne guide. Après, tu récupères ta gueuse. Il doit y avoir un deuxième morceau, alors qu'il est plus long. Attends, oui. Il doit être à peu près entre 1 mètre et 1 mètre 50. Absolument. Bon, c'est ça. Donc, le positif est bon aussi. Tout est bon.
Moi je doutais pas. Hein. Ouais, mais si tu veux, pour nous, c'est vrai, on part sur des bases. Sur des bases d'un truc assez important et puis on s'attend, on finit ouais. sur des trucs. C'est souvent comme ça, hein. C'est souvent comme ça. Il va arriver. Ouais. Jean-Paul, il y a le contrôleur qui va venir là. Il y a le contrôleur qui quoi? Il est là, il est là. Il y a le contrôleur qui arrive. Il a rien trouvé l'autre? Non, il a trouvé juste le bidon. Et... Bon, on remonte le temps de merde, on l'a trouvé. Et puis, il est arrivé. Ouais. Il a pu calculer. Ouais. Il y avait des petits débris autour ou quoi, tu le connais, salut. Les débris, c'est ce qu'il a trouvé d'abord, en dehors de l'état de la route, il y a deux tubes. Bon, il a fait essayer de remonter le maximum de ce qu'il y a là, et puis les petits trucs au besoin, et puis ensuite, eh ben, on arrête la plongée, puis on remonte. On va aller manger tranquillement, pendant ce temps-là, les autres, ils vont pouvoir faire leur départ à du matos, et puis après, dès qu'on a fini, on déplace ce bateau, on se positionne sur les petits débris. Ok, Jean-Paul, après, je positionne sur la carte. Soit essayer de remonter les trucs. Oui, mais ça dit que j'ai. Voilà, affirmatif, attends une seconde. Ok. Démarre un peu ton. Ça y est, c'est un peu de nouveau dessus. Il vaut mieux les mettre plus dessus parce que. Il vaut mieux les mettre plus dessus. Ok, attends. Doucement. Ouais, on ne fait pas entre les deux, on va pas faire maximum. Ouais, on verra, on se positionne sur le premier. Nous, on est qui? On est qui? On est qui? Le compresseur s'est arrêté. Attends, il y a le compresseur qui s'est arrêté là. Là-bas, c'est le bateau Artaman sur lequel je suis d'habitude et qui vient faire du wireline, c'est-à-dire il est sur la plateforme là et ils interviennent à l'intérieur des puits. On va balancer un peu de merde à la fois. Les débris. On est là pour remonter les épaves, les débris qui sont au fond de l'eau avant que un appareil de forage qui se trouve là-bas arrive, c'est-à-dire je pense qu'il va arriver la semaine prochaine. Donc comme l'appareil de forage est posé au fond de la mer, il ne faut pas qu'il se pose sur des épaves. On est venu chercher les épaves. Il fait son palier sur le câble là.
lui est debout. Mais attends, et parce qu'ils ont ouvert le rat avant qu'on le mette en place. Alors, ça merde un peu. C'est bon? C'est ouvert? C'est bien ouvert? Ferraille là, pour l'instant il nous coûte à peu près 70 000 francs. La remontée de ces petits morceaux de ferraille, je répète, 70 000 francs jusqu'à maintenant. Ça fait cher au plus haut. Un filet de chalut. Ah, ça sert à la méthode, ça. Tout est mélangé. Ah, mais c'est un morceau de chalut, ça. Ouais, bah, hein, ça, alors. C'est un chalut, non? C'est un truc de chantier, ça, je crois. Ouais. Hein, ah, une petite murène. Ah, ça, regarde.